Amen, amen. Bien-aimés, il est presque tard dans la nuit. Nous voulons, bien-aimés, aller nous reposer et nous voulons prendre du temps dans la prière. Bien-aimés, il est très important, tant qu'enfant de Dieu, de finir sa journée dans la prière, car celui qu'on avait prié le matin, il a pris soin de nous, il a été fidèle tout au long de la journée. Nous sommes tard la nuit, nous voulons bien aimer dans les Seigneurs. Dieu, merci à ce Dieu-là qui avait pris soin de nous tout au long de la journée, qui nous a gardés, qui avait pourvu à nos besoins, qui avait gardé nos enfants à l'école, nos maris, nos femmes et nos familles. Bien aimé dans les Seigneurs, nous n'avons ici aucune mauvaise nouvelle. Dieu a pris soin de nous. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons lui dire merci. Bien aimé, nous voulons recommander la nuit. Parce que la nuit, c'est un temps spirituellement aussi qui est très stratégique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, pendant que les saints sont sur leur couche, Dieu se révèle en eux, il leur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, par des songes, par des visions. La nuit, c'est aussi un temps de connexion, un temps d'écoute de l'Éternel, bien-aimé, dans les Seigneurs. Voilà pourquoi nous devons nous disposer notre esprit à être réceptif à ce que Dieu va déposer cette nuit sur notre esprit, à ce que Dieu va nous donner, bien-aimés. La nuit, c'est un temps où Dieu nous parle, où il nous donne des orientations par rapport à notre vie, par rapport à nos projets, par rapport à nos enfants, par rapport à nos mariages, bien-aimés. Voilà pourquoi nous voulons avoir un esprit qui est disposé à recevoir la grâce de Dieu. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, il arriva en ce jour-là, qu'il sortit dans une montagne pour crier et continua toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'importance que même Christ, notre Dieu, il avait le temps de prier Dieu la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Également, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 32, verset 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas du tendon qui a rétréci, qui est sur le craie de la cuisse jusqu'à ce jour, parce qu'il a touché le craie de la cuisse de Jacob dans les tendons qui a rétréci. Bien aimé, Jacob avait lutté avec Dieu toute la nuit, et jusqu'au matin, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel lui avait brisé les tendons et Dieu avait changé son nom. Il a commencé sa journée comme Jacob et l'a combattu avec Dieu tout au long de la nuit et il avait fini sa nuit comme Israël. Il a commencé un nouveau jour comme Israël. Bien-aimé, j'aimerais que demain aussi, lorsque cette journée va commencer, que tu commences cette journée avec un nom nouveau, avec une nouvelle histoire, bien-aimé, dans le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, nous dit, « Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas exécuté mes commandements, et cela a attristé Samuel, et il cria au Seigneur toute la nuit. » Nous voyons aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel, qui a eu le temps la nuit de parler à Dieu. Nous avons vu de grands, bien-aimés, qui ont marché avec Dieu. Ils préféraient aussi prendre le temps la nuit de parler avec l'Éternel. Dans le psaume chapitre 55, verset 17, on nous dit « Soir et matin et à midi, je prierai et je crierai à haute voix et il entend ma voix. » Nous voyons aussi le grand David, bien-aimé, il préférait aussi le soir, le matin, la nuit, passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le mystère de la nuit. Lorsque tu prends Actes chapitre 16, verset 25, la Bible nous dit, « Et à minuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des louanges à Dieu. » Et les prisonniers les entendirent. Bien-aimés, Paul et Silas, la nuit, ils ont eu le temps, pendant qu'ils étaient emprisonnés, ils ont eu le temps de prier, et vous connaissez la conséquence, bien-aimés, de la prière de minuit. Lorsqu'ils se sont mis à prier, le muraille de prison se sont écroulés, parce que c'était un moment, un temps où, bien-aimés, il y a une forte sensibilité et des mouvements spirituels tout autour de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés,
Nous allons prendre du temps dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur, lui qui a pris soin de nous tout au long de la journée. Il nous a gardés, il a pris soin de nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Tu as pris soin de nous, tu as protégé nos enfants, tu as protégé nos familles, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, car tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Ce soir, nous voulons bénir ta fidélité, nous voulons bénir ton amour, nous voulons bénir ta grandeur, éternel Dieu. Tu étais avec nous, tu nous as gardés, Emmanuel. Tu as protégé mes enfants à l'école, tu as protégé nos maris et nos femmes, tu as protégé nos familles, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, éternel Dieu de gloire, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, éternel, pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, tu nous as donné du pain. Nous n'avions pas manqué du pain, éternel Dieu de gloire. Nous avions trouvé de quoi manger. Oh, le bon berger, Seigneur. Merci parce que tu as pourvu à notre besoin. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, Seigneur. Nous voulons bénir ta bonté encore cette nuit. Nous voulons bénir ta fidélité, ta majesté cette nuit, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Seigneur, nous avions péché, éternel, d'une façon ou d'une autre, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons demander pardon. Pardon, éternel Dieu de gloire, Papa, pour nos égarements, pour tout ce que nous avons omis de faire, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur. Nous étions méchants avec notre voisin. Nous étions méchants, éternel Dieu de gloire, dans nos paroles, dans nos pensées. Nous avions blessé des gens tout autour de nous, Seigneur. Nous sommes venus auprès de toi implorer ta grâce, implorer ta miséricorde pour ce que nos yeux avaient vu, pour ce que nos oreilles avaient entendu, d'avoir attristé le Saint-Esprit, Seigneur. Pardonne-nous, éternel. Purifie nos cœurs, Seigneur, que ton sang éternel purifie nos cœurs, purifie nos âmes, Prince glorieux, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Seigneur, j'invite le Saint-Esprit de Dieu, viens, cher Saint-Esprit de Dieu, garde-nous pendant cette nuit, parle-nous pendant cette nuit, visite-nous pendant cette nuit, éternel Dieu. Je laisse toute chose, éternel Dieu, sous la direction du Saint-Esprit de Dieu. Père, j'invite le règne de Dieu dans mes nuits, le règne de Dieu dans ma maison, le règne de Dieu sur mes enfants, le règne de Dieu tout au long de cette nuit, Seigneur, que le règne de Dieu domine cette maison. Là où tu règnes, Seigneur, tu domines, domine dans ma maison, domine dans mes nuits, domine dans la vie de mes enfants. Éternel Dieu de gloire, je laisse ma maison entre tes saintes mains. Règne Adonai, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, éternel Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta protection, éternel Dieu, dans ma famille, Seigneur. Tu as protégé ma famille, éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait, éternel Dieu. Toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux, éternel Dieu. Seigneur, je me lève dans la prière, je m'oppose, éternel Dieu de gloire, à tout mouvement maléfique dans ma maison, éternel Dieu. J'interdis, éternel Dieu, dans cette maison, aucune entrée, aucune sortie dans cette maison, Seigneur. Je scelle ma maison par le muraille de feu, le sang de Jésus, éternel Dieu de gloire. Couvre cette maison, éternel Dieu de gloire. Papa, je laisse toutes choses entre tes saintes mains, éternel Dieu de gloire. Je laisse nos nuits éternelles, que nos nuits soient paisibles, que son nos nuits éternelles, Dieu, soient des nuits de joie, soient des nuits de paix, éternel Dieu de gloire. Je m'élève contre toutes sortes de cauchemars sataniques, éternel Dieu de gloire, au niveau de mes rêves, éternel Dieu de gloire. J'arrête, éternel Dieu, toute introduction au niveau de mes rêves, au niveau des rêves de mes enfants, éternel, que toute introduction dans mes rêves pour perturber mes rêves, pour amener les cauchemars, Seigneur, je les arrête au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Je réprimande, éternel, toute le peste qui erre, éternel Dieu de gloire, dans les ténèbres, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucune flèche enflammée de l'ennemi, Seigneur, tirée vers ma maison, n'atteindra jamais mes enfants, n'atteindra jamais ma maison, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. À partir de cette nuit, éternel Dieu de gloire, je libère, éternel Dieu, toute bénédiction que Dieu a réservée pour moi, pour la journée de demain. Seigneur, je libère toute la bénédiction que Dieu a réservée pour ma famille, pour la journée de demain, Seigneur. Que notre bénédiction nous localise pas cette nuit, éternel Dieu, à mes réveillants demain le matin. Seigneur de gloire, Papa, mes mains toucheront ma bénédiction, mes yeux verront ma bénédiction, je vivrai ma bénédiction de la journée, éternel Dieu de gloire. Que tout mouvement diabolique, de sorciers et de sorciers contre éternel le Dieu de gloire, un membre de ma famille soit annulé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'annule, éternel Dieu, le complot, le
réunion maléfique, Seigneur, que la confusion soit dans l'air, quand éternel Dieu de gloire, j'interdis, ma maison ne sera pas utilisée par le démoniaque, éternel Dieu, ma famille ne sera pas utilisée, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, aucun de mes enfants, ni ma femme, ni mon mari, Seigneur, ne sera visité par le maléfique cette nuit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, papa. Délivre-nous, éternel Dieu de gloire, de tout péché, éternel Dieu de gloire, qui peut donner l'accès à l'ennemi dans ma maison, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Papa, aucun roi, aucun prince, aucun monde, le monde de ténèbres, Seigneur, ne prendra le contrôle de ma maison, ne prendra le contrôle de mon mariage cette nuit. J'annule cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Papa, ouvre mes yeux pour de nouvelles révélations. Seigneur, cette nuit, éternel Dieu, pendant que les saints sont sur leur bouche, tu leur parles, Seigneur. Ouvre mes yeux pour cette nouvelle révélation, Seigneur. Dépose sur moi de dons spirituels. Dépose sur ma famille de dons spirituels. Seigneur, parle-moi, éternel Dieu de gloire. Je me laisse entre tes saintes mains, éternel Dieu. Je libère le feu du Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire, contre toute activité maléfique dans ma maison, éternel Dieu de gloire. Je déclare, éternel Dieu de gloire, que je suis un vainqueur, éternel Dieu, que je suis un vainqueur, que ma famille est la maison de Dieu, éternel Dieu de gloire, papa. Toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, éternel Dieu de gloire. Je décrète, éternel Dieu de gloire, que le territoire où ma maison se trouve, éternel Dieu de gloire, je le scelle et je le place sous le contrôle et le règne de Dieu, éternel Dieu. Dans cet espace, éternel Dieu de gloire, aucune femme de nuit, aucun mari de nuit, aucun enfant de nuit, Seigneur, ne pénétrera dans cette maison éternelle au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Papa, je laisse toutes choses, éternel Dieu de gloire. Aucun de mes enfants, aucune personne dans ma famille ne tombera malade cette nuit, éternel Dieu de gloire. J'annule, éternel Dieu, tout esprit de mort subite, tout esprit de mort sous le sommeil. Je les annule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je paralyse et annule toute activité de mari de nuit, de femme de nuit, des esprits inquiets, des esprits succubes. Seigneur, je les annule au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Viens, Jésus-Christ, je t'invite dans ma maison. Je t'invite cette nuit. Viens dormir à côté de nous. Viens dormir à côté de mes enfants. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons dans cette maison éternelle, Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu merveilleux, éternel, Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci, éternel Dieu. Que le sang couvre ma maison. Que le sang couvre ma famille. Que le sang couvre mes enfants, éternel Dieu. Je bénis cette nuit. Je bénis ma famille. Je bénis mes enfants. Je bénis ma nuit, éternel Dieu de gloire. Merci, car tu es présent dans ma maison. Je plante la croix de Jésus au milieu de ma maison. Je proclame ta Seigneurie dans cette maison, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas nous protéger sous tes ailes. Merci, éternel Dieu, pour ton amour et ta fidélité, éternel Dieu. Merci pour toutes choses. Nous ne manquerons pas demain matin de te glorifier encore, de nous avoir visités, de nous avoir bénis, de nous avoir parlé, éternel Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes choses.